Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du randocar, c'est une petite caravane hybride de 400 kg qui, attachée à la voiture comme une remorque, se fixe sur le toit du véhicule tracteur. L'ensemble est homogène et il permet une remarquable tenue de route. Il facilite grandement les manœuvres, notamment quand il s'agit de se stationner. Néanmoins, le concept possède d'énormes avantages pour le bivouac et les déplacements à l'improviste. Il s'inscrit parfaitement pour les vacances et les week-ends. Possédant un lit de 140 par 200 cm dans la capucine et d'un lit dinette de 60 par 190 cm, il peut ainsi accueillir facilement un couple avec un enfant. Il y a de nombreuses années, le concept a bénéficié d'un succès mérité. Actuellement, grâce à ses nombreuses qualités, il émerge à nouveau auprès de passionnés. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau projet du randocar Néo Rétro. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter le tout nouveau randocar Néo Rétro, entièrement revisité, réalisé en carbone. Cela lui confère une robustesse et une rigidité tout en allégeant son poids. L'ensemble pèse dorénavant moins lourd que l'original, mais ce n'est pas l'essentiel. Le projet que nous visons est d'agrandir la cellule d'au moins 40 cm, 20 à l'avant pour la couchette et le reste à l'arrière pour gagner sur la cuisine et la partie sanitaire, douche et toilettes comprises. Désormais, l'ouverture du toit se réalise sur la partie centrale de la cellule. L'essieu, lui, devient freiné et réglable sous le châssis en hauteur, afin de pouvoir justement ajuster pleinement les voitures à l'attelage. Les ailerons et l'aide sous la capucine sont directement incorporés dans le prolongement de la cellule. Quant aux lucarnes sur les côtés, elles sont divisées de manière rectangulaire et la baie arrière scindée en deux hublots, pour la séparation des sanitaires et du bloc cuisine. Ce sont là les modifications majeures, mis à part l'aménagement intérieur qui devient bien sûr plus spacieux.